depuis la première constitution, on avait dit que dès lors que les langues seront outillées, instrumentées et instrumentalisées, donc le pays va s'assurer comme langue officielle. C'est programmé depuis longtemps, mais on n'est pas venu précipitamment à cela. On a commencé un processus en parlant de généralisation de l'enseignement de langue, nationale, de l'utilisation des langues nationales dans l'école. Mais ça a été, de mon point de vue, un coup d'épée dans l'eau. Certains pensent qu'on va imposer, on va leur imposer les Bamanankan. Mais il n'y aura pas d'imposition. Tout ça sera discuté parce qu'il ne s'agit pour le moment que d'un avant-projet. Et d'ailleurs, l'avant-projet ne dit pas du tout que le Bamanankan sera la langue officielle.